le TPI de Kaloum a annulé la semaine dernière le zong qui a porté Alpha Abdoulaye Diallo à la tête de l'association guinéenne des éditeurs de la presse indépendante, AGPI. Mais l'actuelle équipe refuse de reconnaître sa défaite. Son avocat qualifie la décision du TPI de Kaloum d'erronée. Cette décision, non seulement elle n'est pas fondée à droit, c'est fondée sur du faux, mais aussi c'est une décision que je peux même qualifier de caduque. Des procédures sont déjà engagées pour interjeter appel. Et dès le lendemain, c'est-à-dire le 29 janvier, nous avons relevé appel de cette décision. Et je me demande aujourd'hui qu'est-ce que Moussa Ibn Konté peut faire avec cette décision. Il ne peut rien faire de cette décision. Alpha Abdoulaye Diallo avait été élu à la tête de l'AGPI en novembre 2019. Entre-temps, une crise éclate entre l'équipe sortante et celle entrante. Moussa Ibn Konté sera même séquestré dans son bureau. La HAC va tenter une médiation entre les deux parties. On pensait que la crise était désormais derrière nous. Mais le TPI de Kaloum en a décidé autrement. Un nouveau congrès électif est attendu au sein de l'AGPI.